On a vaincu Slade. Votre attention, les amis, je sais que nous passons tous un excellent moment, mais le... le clown vient d'arriver. Ouais, on va se barrer comme des fous, mon pote. Non mais c'est pas vrai, ce clown est moche et en plus il est nul. Ouais, pourquoi tu nous fais des tours bidons pour les tout-petits? Je vous l'ai dit, vous êtes trop grand pour aimer les clowns. Non, le problème c'est lui. Dans nos souvenirs, c'était pas du tout comme ça qu'il faisait. Regardez, j'ai fait venir un clown à l'ancienne. Il a de grandes chaussures, un grand nez et du maquillage. Il est nul, c'est un clown pour les enfants. Justement, les clowns c'est pour les enfants. Quand j'étais petit, les clowns étaient bien plus rigolos. Leur numéro était profond et ils avaient un sens. Ce clown est lamentable. Les enfants d'aujourd'hui ne savent pas ce qu'ils ratent. On pourrait peut-être arranger ça et le rendre aussi marrant qu'avant. Les clowns n'ont jamais été amusants. Vos souvenirs sont déformés par votre nostalgie. Les amis, les spectacles pour enfants, c'est du sérieux, on ne plaisante pas avec ça. C'est sacré. Je crains que si vous modifiez ce clown, ça puisse avoir des conséquences désastreuses. Désolée, ma belle, mais on va rendre ce clown drôle comme avant. Et il ose se faire passer pour un clown. Ah, m'en parle pas, il a vraiment aucune allure. C'est une honte, mais on va s'occuper de lui et en faire un vrai clown. Je me souviens pas trop à quoi ressemblaient ceux que j'ai vus, mon pote, mais ils étaient drôles. Dépêchons-nous de le rendre drôle. Grâce à la science. Mais d'abord, on va te demander de signer cette décharge pour nous autoriser à faire ce qu'on veut à ton esprit, ton corps et ton être spirituel. Merci, mon pote. Chambrification extrême. La vache, vous avez vu cet endroit? C'est une véritable forteresse. Et il semblerait que cette porte nécessite un mot de passe. Pas de problème, on va obtenir ce mot de passe en allant à la pêche aux informations. Génial, je suis parfaitement équipée pour aller à la pêche. Non, ma belle, ce genre de pêche n'a rien à voir avec les poissons. C'est une astuce que les arnaqueurs utilisent pour obtenir des informations sensibles en se déguisant pour se faire passer pour des personnes dignes de confiance. Donc, pour obtenir ce mot de passe, on doit se faire passer pour le Joker. Attendez, laissez-moi faire, les copains. Le vrai sosie de Jack Nicholson. Sécurité, qu'est-ce que vous voulez? Mon faciès sur les billets d'un dollar. Laisse-moi faire mon Heath Ledger. Oui, c'est qui? Oh, moi? Je suis un agent du chaos. Oh, pardon, c'est vous le Joker. Toutes mes excuses, je ne vous avais pas reconnu. Relax. Pourquoi t'es aussi sérieux? Eh bien, parce que je ne veux pas me faire envoyer. Je n'ai pas l'intention de te virer. Je vais simplement te frapper et te faire mal. Vraiment, très mal. Mais attendez une minute. Vous n'êtes pas le Joker. On peut savoir à quoi tu joues, mon pote? Ça se voit, non? Je suis Jared Leto. Jared Leto? Il suffit pas de se coller de fausses dents et des tatouages partout pour ressembler à un malade mental. Tu n'es pas du tout crédible. Ton imitation est lamentable. Je vous envoie le comité d'accueil. Génial. Maintenant, je vais devoir convaincre cet imbécile en imitant au mieux Mark Hamill. Écoute-moi attentivement, crétin. Je suis ton patron, le Joker. Alors si tu me donnes pas immédiatement ce mot de passe, je vais venir te chercher et tu serviras de dîner à mes hyènes. À vos ordres, chef. Le mot de passe, c'est vive le vent. Batman sans mauvais, 1939. Ça a marché. T'as compris, c'est facile comme tout. Alors ça, par exemple, il semblerait qu'on ait trouvé de nouvelles recrues. Oui, elles ont l'air d'avoir toutes les qualités qu'il faut. Salut les filles! Harley Quinn, Poison Ivy et Catwoman! Vous êtes là pour cambrioler cet endroit? Non, mais j'aimerais bien voler vos mouvements. On n'est pas là pour faire des choses illégales. On admire seulement votre façon de patiner. Merci, mais on n'accepte pas les compliments de nos ennemis. Oui. Vous vous méfiez de nous, c'est normal, notre réputation nous précède. Mais écoutez-nous. On cherche de nouvelles recrues pour se joindre à notre équipe de course de roller. Ça consiste en quoi de faire partie d'une équipe de course de roller? Tu aimes patiner? Ah oui, plus que tout au monde. Tu aimes mettre ton poing dans la figure des gens? Évidemment. Alors laissez-nous vous montrer en quoi consiste ce sport. D'accord, faites-nous voir.
Les filles, je vous présente notre manager, Lou. Votre agent est une hyène. Plutôt chouette, hein? Oh, Lou est absolument adorable. En route. Le clown est parti, Starfire. Tu peux sortir, y a pas de danger. Starfire Croquette. Salut les amis. Ça y est, notre clown est enfin aussi drôle qu'il aurait dû l'être. Ne l'approchez pas de moi. Et voilà le travail. Dernier rire. Pompouette. Grand malade. Il n'a pas l'air très drôle, votre type. Ah oui. À toi de jouer, mon pote. Ce clown est en train d'essayer de me tuer. Ça brûle. Pêche. C'est comme une tarte dans la figure, mais en plus drôle. Je t'avais dit que les clowns, c'est marrant. Les amis, c'est pas bien de faire ça. Mais c'est quand même rigolo. Mais c'est mal. Vous avez pris une chose qui est prévue pour les enfants et vous l'avez rendue totalement inappropriée uniquement pour rire d'un truc qui n'est plus de votre âge. Pourtant, les clowns étaient comme ça dans notre souvenir. Et maintenant, on va le libérer pour qu'il puisse apporter de la joie à tous les enfants dans le monde. Mais ce n'est pas un clown pour les enfants. J'ose même pas imaginer l'influence néfaste qu'il va avoir sur tous les enfants. Pourquoi? En fait, t'as peur que ça leur plaise? Tiens, prends ça. Fiche le camp d'ici et va rendre les enfants plus joyeux. Salut, le Joker. Robin, content de te voir, mon garçon. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, bien sûr, ta présence ici signifie que mon vieil ami Batman ne doit pas être bien loin. Où se cache ce vieux cinglé qui se prend pour une chauve-souris? Notre visite n'a rien à voir avec Batman. On est officiellement ici pour faire une affaire qui ne concerne que nous. Dis-moi que c'est une plaisanterie. Tu sembles oublier que je suis un homme d'affaires très occupé. Écoute-moi, on sait que c'est toi qui as arnaqué Starfire en lui promettant d'ouvrir avec elle une boutique. D'accord, je plaide coupable. Rends-moi immédiatement mon argent et on s'en ira sans faire d'histoire. Malheureusement, ça ne va pas être possible. J'ai déjà tout dépensé pour construire cette usine. Grande inauguration. Pourquoi t'as acheté cette poubelle? Eh bien, j'ai horreur des jeux de mots douteux. Mais je me sers de cet endroit pour remplir ce coussin péteur géant de mon gaz hilarant breveté. Et quand il explosera, ça va être le délire total. On doit empêcher ce malade de mettre son plan à exécution. Jeune titan en avant. Je te prédis un avenir atroce si tu n'abandonnes pas tes projets. Même pas peur. Hé, mon pote, t'as fait tomber ton portefeuille. Erreur, il est là, prêt à servir. Tonton, c'est moi, ton cher neveu que t'as perdu de vue. S'il te plaît, ne détruis pas la planète. Promis, je ne le ferai pas. Serre-moi la main. Personne ne peut rouler le roi de l'arnaque. Les amis, il ne nous reste qu'une solution. Replions-nous. Ça fonctionne. Et maintenant le clou du spectacle. Merci de m'avoir fait rire, les titans. Ton plan n'a pas fonctionné, Raven. Pourquoi on a accepté de t'écouter? Cette fois, c'est terminé, les amis. Le rideau va tomber. Fin du spectacle. Starfire. Jamais je ne ferai confiance à un clown. J'ai mal. J'ai très, très, très mal. Je sens plus mon corps. J'ai mal partout, de la tête aux pieds. Bien joué, le Joker. Tout ceci est ta faute. De ma faute? De toute évidence, c'était un accident. Oui, cet accident ne se serait jamais produit si le mélange était fait plus sérieusement. Mais regarde un peu cet endroit, mon vieux.
Éclairage nul, sol humide, barrière de sécurité défectueuse, tout ça c'est ta responsabilité. Désolé, je viens d'acheter cette usine, je n'ai pas encore eu le temps de la mettre aux normes. Qu'importe, il est trop tard pour nous présenter des excuses. Prépare-toi à recevoir un appel de mon avocat. Mon avocat? Je n'ai pas le temps de gérer un procès actuellement, ça va bouleverser tous mes futurs projets diaboliques. Attendez, pitié. Revenez sur votre décision, j'accepte de faire tout ce que vous me demanderez. Tout ce qu'on te demandera? Oui, je vous le promets. Bon, alors dans ce cas, je veux que tu me rendes tout mon argent. Le voilà. En guise de dédommagement pour le mal causé, j'exige l'acte de propriété de cette usine. Pas question, jamais je ne me débarrasserai de cet endroit. Comme tu voudras. Robin, donne-moi le numéro de notre avocat. Attends, du calme. Tu es vraiment dur en affaire. Tiens. Bon, tout est réglé, pas vrai? Non, pas encore. Dis à tous tes hommes qu'à partir de maintenant, c'est moi le patron. Mes hommes? Et ensuite, tu veux quoi, mon costume? Oui, puisque tu en parles, je vais le prendre aussi. Voilà, contente? Ah oui. Oh là, pas si vite. Donc en réalité, tu faisais semblant d'avoir mal depuis le début. Oui, c'est exact. Oh, j'arrive pas à croire que je me sois fait piéger.